Voilà, on dirait des clowns. Pourquoi ? C'est les gars qui se prennent tout d'ailleurs. Ça fait bien, non ? Faut courir. Des journées de ouf, mais c'était de la très très bonne fatigue. Le maire d'Istanbul. Ah, le maire, le F. Oh non, mais il est trop beau. Non. Alors, quel est le plan à suivre ? Actuellement, il est minuit 20 et nous allons manger au McDo. Regarde. Je pense qu'il en a marre. Je tourne à chaque fois, tu veux qu'on danse ensemble ? Non, parce que t'es en contresens, du coup... Ah d'accord, donc je disais, nous allons goûter McDo, mais je vous jure que c'est pas bon. On va voir. Peut-être que j'ai changé d'avis. Eh, hey, même moi j'ai la dalle. Oh, ça a l'air trop bon. Non, ce soit là, ça a l'air trop à l'aise. Il y a un deuxième étage, non ? C'est déjà bien, regardez tout ce qu'il y a, il demande un deuxième étage. On se pose là. Je vais piquer une truffe. Ça c'est trop. Oh, je crois qu'ils l'ont trop bien cuit. Et c'est une tuerie. Mais tu ressens à moi. Ah, on a payé combien, attendez, on va dire le prix. 136 TL est égal 7,78€, les gars. Wow, le calcul mental. Oh, t'es chaud. Non, en vrai, je suis nul en maths. J'ai un truc que vous avez oublié de ouf. Vas-y, hey, ici, on est en Turquie, gros. Regardez les pailles, à l'époque. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des pailles. À l'époque. Super, gros. Ok, on va faire une dégustation, c'est parti. Viens, on commence par la boisson. T'as déjà goûté, ça se voit. Non, j'ai pas vu. Ah ouais ? 1, 2, 3. Trop bon. Dinguerie, tiens, non, regarde, goûte. Vas-y. Il est vraiment plus bon, le mien. Il est bon, le mien. Non, je préfère le mien. Regardez les sauces, ils sont trop chelous. En plus, ils envoient du barbecue aussi, ils régalent. Oh, trop bien. Vous savez qu'en Turquie, il n'y a pas le défilé aux fiches et tout. C'est trop triste, hein. Si, si, il y a le défilé aux fiches, t'es malade ou quoi ? Non, je te jure qu'il n'y en a pas. T'es sûr ? Oui. Ouais, c'est trop bon. T'as vu, c'est une chouette. Onion rings, incroyable. Il n'y a pas de filet aux fiches et il n'y a pas de potatoes. Regardez un petit peu à quoi il ressemble. 1, 2, 3. Oh, c'est bon. Il n'y a pas cette sauce. C'est bon de ouf. Pour la vidéo, j'ai tapé mon sandwich en premier. Mais en vrai, de vrai, termine leur frite avant de taper le sandwich. Même moi, dans je fais le grec. Les deux. Non, les deux ensemble, c'est pas bon. Dis ton commentaire. Moi, je trouve que le plus logique, tu tapes un peu de tout. Non, ça, j'aime pas. Je connais. Mais après, les frites, ça, quand c'est froid, c'est pas bon. On vous laisse, on va manger. Bye. Firuza, genre, monsieur. 1491, c'est une trentaine d'années, quarantaine d'années après la conquête d'Istanbul. De Constantinople. C'est l'une des premières mosquées qui a été réalisée dans ce quartier-là après la conquête de Fatih. En vrai, Fatih, c'est les rebeux qui disent comme ça. Nous, c'est Fatih. Tu sais que la majorité des chats dans mon village, ou même en Turquie, on les appelle Karabash. Pourquoi ? Parce qu'il a une tête noire, regarde. Ah d'accord, Karabash, d'accord, je viens de capter. Il est trop beau. On dirait un berger allemand. De ouf. Allez, bisous. Ah, tu me filmes encore ? Oui. En vrai, j'ai une paparazzi maintenant. Je suis fan de toi. Merci. Salut. C'est moi ton premier fan, gros. Oh, trop oui. J'aime pas ma bague. Regardez la honte. Je sens ma bague. Oh, la honte, wesh. Regarde-moi, elle est là encore. Vous voyez le bluff, regardez, je mets des trucs de mariage en photo comme ça. Je mets même pas la bague et lui il met pas ton écran mais il met la bague. Vous voyez. Pourquoi on parle du sexe des anges là. Viens, on parle de sujets plus intéressants, regarde. Parlons politique. Non mais attends, regarde ça. C'est quelque chose qui a été créé il y a plus de 1500 vas-y, ans. Vas-y, quelle année elle a été construite, vas-y. Je pense que c'était il y a plus de 1500 ans. C'était sous l'époque de Justinien, il me semble. Voilà, on fait le juste prix. 500. Dans les années où le prophète Mohammed était encore vivant. Et bah, moi je dirais. Entre 500 et 600. Oh la copieuse. Attendez, on va vérifier. Aya Sophia. Wow. 537, entre 500 et 600, j'ai dit. T'es nul. Espèce de mytho, j'ai dit entre 400 et 600. Ah, lui, il était plus proche, il avait la première réponse. Attention. Donc disons qu'il a juste. Oh, regardez-moi ça. Elle est vraiment trop belle. Il y a un truc important. Regarde là-bas, là. Je sais pas si tu peux zoomer. Aujourd'hui, je vous remets. Dans le contexte. Dans le contexte du jour. Aujourd'hui, c'est le jeudi soir, juste avant le vendredi. Et là, en fait, ils sont en train de nettoyer pour que les croyants puissent jouir de la propreté de Aya Sophia. Merci. Demain, on va venir là, Inch'Allah, on vous montrera. T'as déjà réussi à prier dedans vendredi, toi ? Ouais. Sérieux ? Cet été, et je suis venu 1h30 en avance. Donc, 1h30 si j'ai un conseil à vous donner, les gars, venez 1h30 en avance. Mon oncle, il était venu 1h en avance et il a pas pu rentrer. Ah, même ouais. Si je lui avais gardé une place à côté de moi, tout ça, en fait, il ferme les portes. Quand il voit qu'il y a trop de monde, ça y est. C'est une dinguerie. Oh, je suis mort, regarde. On fait la trottinette. Électrique, là ? Non, en vrai, j'ai pas de carte et tout. Bon, on fera plus tard. Bon, viens, on télécharge l'application, on fait après. Vas-y. Hi. Nous avons trouvé un endroit. Alors, c'est quoi le nom ? Green Corner. En gros, c'est juste en bas de la mosquée de Hagia Sophia. On va travailler aussi. Donc, le matos est là. On va le sortir, attention. On a toujours pas pris de voiture pour Antalya. Dinguerie. Oh, mais ça va être une dinguerie. On va Antalya, Inch'Allah. Là, dans quelques jours. Bah, dimanche, là, dans 3 jours. Et on a toujours pas pris de voiture. On a toujours pas loué.
Au pire, c'est bien le marché. Il y a des taxis, on n'a pas beaucoup là-bas. Il n'y en a pas gavé. Attends, ça c'est trop les gens qui aiment trop faire des routines. Je te jure, attends, on me montre la pomme. C'est important. Voilà. Ils se posent comme ça et ils font aucun bruit. Et toi, pendant 10 heures, tu regardes ça comme un clown. Les meufs qui font des vidéos à esthétique, arrêtez s'il vous plaît. Parce que ceux qui regardent, ce sont des fous qui regardent des gens fous. On s'en fout des routines. Et de toute façon, vous les tenez même pas. Donc arrêtez de faire genre, s'il vous plaît. Et si, elle a déjà fait des routines, mais c'est pas sa base, tu vois, donc laisse ça tranquille. C'est toi en plus qui m'a dit oui, fais des plans comme ça, mytho. Bah. Ouais, mais je sais que vous aimez bien aussi les vidéos pendant le ramadan, routine, tout ça. Ça, je sais que ça sert à quelque chose. Mais quand la meuf, elle te parle de son cours de maths, ouais, monsieur Pichet, ça là, ça commence à m'agacer. T'en mets combien de sucre, toi? En fait, ça dépend. Tu vois, quand c'est une moitié comme ça, si c'est bon, ouais. Et bah, je mets qu'une moitié. Et un vrai chat, c'est comme ça. Tu vois, il faut bien monter les trois ongles, comme ça, tu vois. Ah, il y a toute une technique, ok. Comme ça, et tu fais ça, et tu le sirotes comme ça. C'est quand t'as un bidon, tu le poses là. Pourquoi tu fais genre? Non, là, en vrai, de vrai, j'essaie de voir s'il y a de la wifi. Regardez ce qu'on a trouvé encore. Vous êtes trop beau. J'avais une carte. Merci. Allez, c'est parti. On voulait prendre un bateau. Il est écrit 18h20 et il est, si ça veut dire, 15h54. Et on va pas attendre 2h, donc je pense qu'on va prendre quelque chose d'autre. Ah oui, ici vous pouvez aller aux îles. Regardez, il y a écrit là. Les îles aux princes, c'est juste ici. Bref, n'hésitez pas à y aller. C'est quoi le ici, cabatage? Ok, du coup là je voulais vous présenter le fameux kumpir. Bon, je vous avoue, je l'ai terminé, je vais vous mettre des petites photos. Donc en gros c'est une grosse patate qui est farcie et dedans vous mettez ce que vous voulez. Il y a des petits pois, des knackis, genre coupés comme ça, des olives, voilà. Bref, il y a plein de crudités, plein de légumes, tout ça. Vous trouvez pas que le cadre il est trop beau? Gross food beverage. Bisous. Mais regardez la vue de ouf. C'est incroyable hein. Ah ouais, vraiment. Incroyable. Du coup, t'as fait quoi? Et là, il a pris des photos. Un papa avec sa fille. Ils sont trop choux, du coup, tu lui as envoyé? Ouais, du coup, je lui ai envoyé un airdrop. Oh non, mais c'est trop mignon. C'est trop trop chou. Regarde la petite comme elle est mignonne. Oh là là. T'en montres pas son visage? Bon, ici, on est à la mosquée d'Orge d'accueil qu'on vous a montré à l'extérieur tout à l'heure. Elle est vraiment trop jolie. Et juste à côté, vous savez, c'est beau. Encore une fois, ils sont vous là où je t'accueille. Ah si, à chaque fois je vais prendre une sacrée photo. Je lui dis prends-moi attendez, le même. Attendez, venez, on juge parce que là il parle trop. Mais là on voit rien là. Regarde. Je vous promets que c'est faux. Ok, on mettra les petites photos, on va comparer. Les photos à côté, okay. Tu m'as pris peut-être une bien et moi toutes, elles sont toutes bien. À chaque fois. Et elle me prend trop mal en photo. Autant d'années de YouTube pour ça? Non, c'est faux. T'es sérieuse? Juste parce qu'il aime pas sa tête. Heureusement, ta soeur elle te prend en photo. Tu sais pas prendre en photo en fait. Mais c'est faux! Défendez-moi, sinon je vous bloque. Vas-y. Bon, les amis, c'est l'heure du flow time. Allez, c'est parti. On vous laisse deviner où est-ce qu'on est revenu. On vous laisse 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Si t'as pas trouvé, t'es claqué. Okay. Si vous avez trouvé, vous journée, êtes vrai. On était toute la journée en Europe. Yes. En fait, de Hort Accueil, c'est galère d'aller là-bas. Tu vois, y a pas de métro, y a pas de tramway, tout ça. Ça veut dire en soi, j'ai vu un vin port, j'ai pris directement un bateau qui vient à Üsküdar. Là, on va se poser un peu, on va grailler. Moi, j'ai pris Isgala köfte, oignon, poivron, tomate, frites, boulgour avec köfte. Toi, t'as pris un petit doulou. Au poulet. Il a le seum. Je suis KO de ouf. Là je pensais à comment on va faire notre valise pour aller en Antalya. On peut la faire demain. Ça fait 6€. 6€ pour ça. Et lui ça veut faire je crois 5€. Là-bas vous avez une vue de ouf. Franchement vous savez, on kiffe ce restaurant. Il est vraiment trop trop bien. Bon appétit. Merci.
Ikiaka. Trop bon. Salut. Regarde devant toi. Tu kiffes? Ouais, c'est énervé. Ce qu'on adore ici, c'est que les métros ils sont hyper propres. J'ai rien aux mains. Viens, on dort ici. On dort là. Je vais faire du sas ici. En vrai de vrai, les métros ici en Turquie sont trop incroyables. Franchement, regarde, ça brille, wesh. Et y a pas d'odeur, t'as vu? Du coup, on continue sur la propreté des métros ici. À Istanbul, c'est que chaque métro a un thème. Ah, c'est vrai. Gülsoy. Faites vos recherches, je sais pas qui c'est. Je sais qu'on arrive à Ümraniye ou pas? Cette année, qui était en deuxième division. Ce qui fait 8 équipes d'Istanbul en Super League, première division turque de football. Incroyable. Il y a aussi Giresunspor, à ne pas oublier, la meilleure équipe de Turquie. Oh, je me souffle. Non, arrête de vrai, on est vraiment pour Fenerbahçe, check-moi. A vous, t'es pour le FC Barcelone aussi un peu. Bah, totalement. Non, mais en vrai, tu préfères la vibe Barcelone ou Madrid? À la base, moi, je préfère Madrid, moi. Je préfère Ronaldo. Je te jure, je préfère Ronaldo. On a fait quoi? On a acheté un médicament pour oui, les... Oui, parce qu'on va voir son chat, là. Et du coup, on a acheté, vous savez, un truc anti-puce. Parce qu'apparemment, il va pas très bien, le chat. Donc, on va lui mettre ça. Ça va lui faire un petit rafraîchissement. Bref, on y va. Là, on va tirer. Salut. Salut. On va tirer, tirer. Hop, moins 3 pour aller tirer. Yes. T'es prêt ou pas? Let's go. Wesh, ça a l'air d'être bizarre un peu. Oh, j'entends les bruits, c'est ça. C'est pile. Eh oui, c'est là. Let's go. Moi j'ai choisi, toi t'as pris lui, moi j'ai pris lui. Ouais. On montrera. Voilà. C'est parti. Je vais en premier. Vas-y. Pour montrer l'exemple. Faut pas trembler, il faut avoir les épaules. C'est pour ça qu'il faut taffer les épaules à la salle, les gars. Şuradan bak aşağı doğru bas tarafa. Tamam. Şeye doğru sürdü. Anladım. İkinci. Çek. Güzel. Voilà mon résultat. Ouah, t'as géré. On est des Karadenizli, hein. Comme ça. Voilà. Ah, et faut... Non, de l'autre okay. côté. De l'autre côté. Il le joue. Faut... Vas-y. Faut... Il faut appuyer là et la faire rentrer après, la faire glisser, ok? Mais glisser où? Elle glisse pas. Mais ça loge pas. C'est bon, on la fait rentrer. Ok. Voilà. Oh. Légène marocaine. Oh, c'est galère. Quand t'es pressé pour tirer sur quelqu'un, tu fais comment? Attendez, je recharge. Aşağı doğru iktirsin. Ah, yalla. Tamam, oldu. J'espère que je parle arabe. Moi j'ai galéré. Hein. T'as galéré, mais t'as trop bien visé, c'est ça que je... Ça commence comme ça. Et genre, faut faire attention au point blanc là, qui est là. Faut que l'objectif soit vraiment flou, tu vois. Eh, hey, j'avais oublié mon casque. Ça m'a tué les oreilles. Sérieux? J'ai le sifflement. Kalp başarılı. İki göz arası başarılı. Franchement, c'est bien. Je préfère ici. Bah ça va, c'est bien, c'est déjà très bien. Donc là en gros, super. Je dois sauver quelqu'un, je dois viser lui. Ouais, imagine tu le tues. Hey, imagine que c'est moi là qui me fais tuer. Vraiment? T'as intérêt de gérer, oui. Ah, j'ai peur. Oh là là. Je vais vraiment excentrer à gauche. Me tue pas. Mission réussie, Asya elle est toujours en vie. Yes. Et lui, je lui ai tiré plein de fois dans le crâne. Comment ça tu oses toucher ma dulcinée? Du coup... Ok. Pour mettre la pression à Asya. Mais non, c'est trop stressant. Je vais écrire Emra ici. Oula. On verra. Oh, c'est horrible. Bon. C'est bon? Le résultat, Emra est toujours en vie. Asya a tué son agresseur. Je touchais que ses bras. Mais non, mais au moins tu l'as mis. Ça va là. Je l'ai maîtrisé. Bon, au moins il pourrait rester en vie et finir en prison toute sa vie. Bien joué, Asiatique. Il est vide, hein? Ouais. Bon, ok. Vous voulez vous faire quand même un débrief vite fait en rapide? Monte un peu plus la caméra, on voit. Non, ça va, c'est bien comme ça, je trouve que c'est bien comme ça. Mais on voit mon double menton. Eh, c'est archi pas cher parce que... Ici, hein. Eh ben en gros, on aime bien, tu vois, s'excentrer un peu à Istanbul. On a pris un métro de 30 minutes pour arriver, pour aller au centre de tir. Parce que moi, je voulais grave tirer, ça faisait grave longtemps que j'avais pas tiré. La dernière fois que j'avais tiré, c'était au village avec mon daron et mon grand-père. Et finalement, il me reste des restes, non? Attends, c'est sombre, va par là. Non, franchement, il a trop géré. Il est 22h, là on va se poser dans un café, je pense. Et après, on va dormir parce que après-demain, on part à Antalya. Mais on pourra pas dormir le soir, c'est vrai, là faut qu'on reprenne bien, qu'on se repose bien, tout ça. Bye. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et moi, j'ai un truc à dire aussi. Je suis grave pas à l'aise avec le fait de parler dans une caméra. Wow. Avec une caméra. Non, c'est vrai que j'y du bien, coup, hein. Hey, soyez tolérants de ouf. Parce qu'en vrai, je suis pas un clown comme vous voyez dans la caméra. Je suis plus cool en vrai. Non, il est cool. Mais bref, je suis un peu timide. Attention. Moi, coup du chaud. Écoute, tu mets pas le retour caméra. Ah, excusez-moi, parce qu'en fait, si je mets le retour caméra, et ben après, je vais trop regarder le retour caméra parce que je suis égocentrique, narcissique et miraclistique.
J'arrive pas à faire le signe. On verra si je cadre bien, c'est pas grave. Il fait très chaud, parce qu'il y a des nuages à mort ici. Et nous en plus on veut prendre des photos dans un bon cadre. C'est le dernier jour à Istanbul. En termes de journée, on part demain matin à 4h du matin. À la base sur Turkish Airlines. On va vous attraper par le callback. On avait pris un billet d'avion à 10h. Comme ça on s'est dit nous, à 8h on part de l'hôtel, on se réveille à 7h, vas-y tranquille ça passe. Et vous, vous avez fait quoi? Vous avez tout gâché. Vous avez décalé le vol de 10h à 8h frère. Même pas 7h je crois, 7h35. Mais vous êtes des malades ou quoi? Frère, maintenant. Une plaque verte, c'est un diplomate le mec. Ah ouais? Oui. Vas-y, on va filmer ça. Mais vas-y, bref, t'as un. T'as un turc quand même. Ils ont tous les droits, les diplomates, ils peuvent se garer où ils veulent. Ils peuvent, même s'ils gênent la circulation, y'a pas de problème. Ils payent pas les parkings. Genre, ils ont trop. Moi, je voulais être diplomate à la base, juste pour ça. Et pour voyager tranquillement. Ok, bon, apparemment, il y a trop de monde. Du coup, bah, on va aller manger. Alors, là, on est dans un restaurant. On a un hall d'accueil. C'est un petit snack. Un petit restaurant, en vrai, les petites tables, c'est petit. Ils nous ont donné ça, ça sent trop bon. Comme ça, tu peux aller dans le menu et t'en vas sur Canva. Ils sont trop vifs. Excellent. Donc là, on vous explique, nous sommes chez Selfie Bosphorus. C'est pas trop mignon. Ils ont fait un décor exprès. Le fameux Mehmet qui nous a fait Fatih. C'est Abdul Medjid, ça, je crois. Ou Fatih, ça dépend. Mais c'est Fatih, wesh. Oh, t'abuses. Ouais, derrière, mais elle ressemble trop à Abdul Medjid. Ah oui, regardez la vue. C'est beau, hein. On va avoir tellement chaud par contre. Si. Ah, t'enlèves pas tes vêtements? Non. Tu vas avoir trop chaud. C'est pas trop beau. Bah, oh là 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 là. Il est trop beau. À moi, maintenant je vais choisir une tenue. J'arrive, je vais vous montrer. Et voici ma tenue. Voilà. Non, mais... Attends, mais on est trop beau là. On a du flow, non? Bien, alors là nous sommes en pause, on a pris nos photos, il reste juste les photos de Emra, mais je vous jure qu'elles sont trop trop belles, j'ai trop trop hâte de vous montrer tout ça. On se retrouve après un bon shooting. Ça, il est habitué le mec, hein. Vous avez vu? Il vlogue mieux que moi. C'est vrai que là je suis à l'aise. C'est bon, cool. Ça, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire qu'on a fait des photos, elles sont incroyables les gars. Waouh, c'est magnifique. Oh, Clément. Mais regardez-moi ce BG. Et moi les gars, je m'attendais à un truc de ouf. Sinon j'aurais tapé un scandale. Salut Antalya. Ok, Sharawala ma soeur. Mais regardez pas ses cheveux. Hey, on est en pleine forêt, on s'est perdu. J'ai gagné. Wouh.